Madaba, j'allais jadi, matina ibela, radaba, j'allais jadi, matina ibela, Krishna bhajana tava, akarana gela. Krishna bhajana tava akara nagela ata parohita surajana hijani ata parohita surajana hijani radha vira hita madhava nai mani radha vina hita madhava nai mani kevala madhava ujaye so agyani kevala madhava ujaye so agyani radha nadhara karoya bimani radha nadhara karoya bimani kabai nai karobi tako rasanga kabai nai karobi tako rasanga chite ichasi jadi braja rasaranga chite ichasi jadi braja rasaranga rat Radhike dasi jadi hoya bimana Radhike dasi jadi hoya bimana Shigrae milai tava gokula kana Shigrae milai tava Gokula kana Brahma Shiva Narada Shruti Narayani Brahma Shiva Narada Shruti Narayani Radhika Pada Raja Pujayemani Radhika Pada Raja Pujayemani Umarama Satya Sachi Chandra Rupini Umarama Satya Sachi Chandra Rupini Radha Avatara Samnaya Evani Radha Avatara Sabe Amnaya Evani Eno Radha Paricharya Jakara Dhana Eno Radha Paricharya Jakara Dhana Bakati Vinoda Tara Magaye Charana Bakati Vinoda Tara Magaye Charana Radha Bhajane Jadi Mati Nai Bela Radha Bhajane Jadi Mati Nai Bela Krishna Bhajana Tava Akarana Gela Krishna Bhajana Tava Akarana Gela Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Sri Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe
n'avais pas la traduction. Je vais la traduire comme ça alors. Si le désir d'adorer Sri Radha ne se manifeste pas en toi, alors ton adoration de Krishna est en vain. On ne peut pas concevoir le soleil sans sa lumière. De même, on ne peut pas accepter Madhava Krishna séparé de Radha. Ceux qui adorent seulement Madhava sont ignorants et ceux qui manquent de respect à Radha sont simplement emplis d'hypocrisie. Ne fréquente jamais ces gens-là si ton cœur aspire pour la douceur amoureuse, la douceur aimante de Brajaras. Si tu te considères comme étant la servante de Radhika, alors très rapidement tu pourras atteindre Kanhaiya de Gokula. Nous savons que Brahma, Shiva, Narada, les Védas personnifiés et Narayani, Lakshmi Devi, adorent tous la poussière des pieds parés de lotus de Srimati Radhika. Et les Écritures révélées déclarent que Uma, Rama, Satya, Sachi, Chandravali et Rukmini sont toutes des expansions de Radha. Bhaktivinoda mendie aux pieds parés de lotus de son la seule richesse et le service de cette Sri Radharani. D'accord, Bhaktivinoda, Tidesh, Mati Radhika, Ki, Kei. Avant toute chose, je vais offrir mes hommages aux pieds parés de lotus de mes maîtres spirituels. Srila Prabhupada, Srila Gaur-Govinda Maharaj, Srila Bhaktivinoda Narayana Goswami Maharaj, Gurudev, Srila Bhaktivinoda Madhusudana Maharaj, Srimati Krishna Priya Thakurani, tous les dévots assemblés. Acceptez, je vous prie, les hommages. Donc, on célèbre aujourd'hui Lakshmi Vijay, non, ou Hera Panchami. Hera, ça veut dire voir, non, et Panchami, c'est le cinquième jour. Donc, lorsque Jagannath, Krishna, qui s'ennuie un peu à Dwarka parce que à Dwarka, il ne peut pas goûter cette atmosphère dépourvue de toute formalité qui existe à Vrindavan, où c'est un festival constant de divertissement désopilant, entrecoupé de rires, de chants, de danses. Si vous regardez là, ces jours-ci là, sur ma page de Facebook, je mets des extraits d'une pièce merveilleuse de Rupa Goswami, Vidagdha Madhava. Et en le lisant, je me disais, mais en fait, ça, c'est l'ancêtre du vaudeville, du théâtre de vaudeville. C'est merveilleux, toutes ces péripéties, tous ces rebondissements. Donc, Vrindavan, c'est ça, c'est un courant continu d'extase avec toutes sortes, hein, comme l'océan d'extase, c'est de ça qu'il est composé, des vagues d'extase qui montent. Donc, font des crêtes, redescendent et se refondent à nouveau dans l'océan et d'autres comme ça. Ça, c'est constamment ce qui arrive à Vrindavan. Donc, Krishna, une fois qu'il a manifesté ses divertissements de Vrindavan, il a aussi d'autres tâches à accomplir, hein, sur son agenda. Il vient pour satisfaire les dévots, rétablir les principes de la spiritualité et anéantir les mécréants, tuer les démons. Donc, à Vrindavan, il a tué un paquet. Et après, il a fallu également qu'il aille tuer ceux qui menaçaient Mathura et également Dwarka. Et aussi, il fallait qu'il satisfasse, parce que sa venue, c'est surtout pour les dévots. Les autres choses, Krishna n'est pas obligé de venir personnellement. On dit par exemple que ce n'est pas Krishna qui tue les démons, c'est Vishnu en lui. Parce que quand Krishna descend, tous ses avatars sont présents en lui. Et selon la nécessité, alors un d'entre eux se manifeste. Quand il s'agit de tuer les démons, les mettre à mort, donc c'est Vishnu qui s'en charge. Mais Krishna vient pour satisfaire ses dévots. Alors, il n'a pas seulement des dévots à Vrindavan, il a également des dévots dans d'autres sentiments, d'autres humeurs, ceux de Mathura et ceux de Dwarka. On dit que à Vrindavan, ce sont des divertissements emplis de douceur, décorés avec de la vaillance, décorés avec de manifestations de pouvoir. Mais à Mathura, c'est plutôt des manifestations d'opulence décorées d'un peu de douceur. Ou également, parce que Mathura, c'est un peu mixte, c'est entre Vrindavan et Krishna le sentiment. C'est de la douceur avec de l'opulence, ou mélangée avec de l'opulence avec de la douceur. Mais c'est l'opulence qui prédomine. Et à Dwarka, c'est encore plus, c'est l'opulence qui prédomine. Il y a un petit peu de madhurya, un peu de douceur, mais c'est surtout l'opulence qui prédomine.
Donc, Krishna doit satisfaire tous ses dévots qui ont donc différents sentiments, différentes humeurs envers lui. Donc, à Vrindavan, on dit, Krishna dit, non, Vrindavanam Paritejam Nagachami, je ne fais pas un pas hors de Vrindavan. Donc, lorsqu'il sort de Vrindavan, ce n'est pas le Krishna originel, mais c'est son expansion, Vasudev Krishna. Donc, il devient Mathuranath Krishna. Et c'est pour ça que les gopis, bien que Mathura soit juste à côté, elles ne vont jamais à Mathura parce que c'est une autre humeur complètement. Et ensuite, de Mathura, Krishna se rend à Dwarka, où il va passer donc, presque un siècle, à part quelques, on peut dire, voyages ici ou là, Kurukshetra ou à Hastinapur. Mais sinon, il reste surtout à Dwarka, et à Dwarka, il est Dwarkadish. À Dwarka, il manifeste souvent quatre bras, et c'est l'opulence. Maximum, Aishwarya. Et tout le monde est conscient de la divinité de Krishna à Dwarka. Et donc, cette conscience de sa divinité, Krishna dit que dans le Chaitanya Charitamrita, l'amour est affaibli par la conscience de sa divinité. Alors, imaginez que les gopis sont en train de danser avec Krishna de façon totalement libre, chacune danse pour lui et. Il met ses bras autour de leur cou en leur suppliant de ne pas le laisser. Et tout d'un coup, imaginez que les gopis non, se rendent compte que c'est avec Dieu qu'elles dansent. Ça va complètement évaporer toute la spontanéité, tout leur amour. Donc, justement, ils se délèguent parce qu'il n'y a aucune formalité. Elles vont avoir peur en disant, si jamais avec notre pied pendant la danse, on le touche, ça, on est fini, on va en enfer parce que c'est Dieu la personne suprême. Vous imaginez que Mère Yashoda, qui est sur le point d'allaiter Krishna, tout d'un coup, elle pense c'est Dieu. Ça va complètement geler son amour maternel naturel parce que cet amour spontané, il ne peut pas rester en présence de Aishwarya, la conscience de la divinité de Dieu. C'est pour ça que quelque part dans son royaume, et en fait, dans la partie la plus élevée, Krishna a un endroit dans lequel personne ne sait qu'il est Dieu, et lui-même permet à Yogamaya de le recouvrir, et donc lui-même non plus non, ne sait pas qu'il est Dieu. Et donc ça permet au flot naturel et spontané de l'amour pur, sans, je répète, aucune teinte de formalité, d'être dans l'humeur principale. Parce que Krishna lui dit bien dans le. Charitamrita, on lit ça dans le quatrième chapitre d'Adilila. Krishna dit cet amour affaibli par la conscience de ma divinité ne me satisfait pas. Je l'accepte et je ne satisfais pas. Il ne me satisfait pas, il ne peut pas me conquérir. Par contre, lorsque une de mes amantes non, se prend de querelle avec moi, hein, on a une prema kalaha, une querelle d'amour. Non, et qu'elle me châtie, elle me réprimande, à ce moment-là, ça emporte mon mental, Krishna dit, loin des hymnes pompeux du Veda. Donc, ce que Krishna préfère, c'est l'humeur de Vrindavan, l'amour de Vrindavan. Mais il satisfait tous ses dévots. Il dit lui-même, je n'ai pas d'autre devoir dans cette existence que de satisfaire mes dévots. Donc, il satisfait ceux de Vrindavan, après il va satisfaire ceux de Mathura, après ceux de Dwarka, ceux de Hastinapur, ainsi. Et lorsqu'il est à Jagannath Puri, en tant que Jagannath, Jagannath, le grand temple, Sri Mandir, il représente Dwarka. Donc, à Dwarka, Krishna se languit des gopis. C'est pour ça que finalement, il retourne à Vrindavan. Et c'est. Une occasion pour lui de manifester cette forme de Jagannath lorsqu'il voit Srimati Radharani évanouie de séparation d'avec lui. Hein, on dit que pendant la saison chaude, la chaleur est tellement intense. Cette année en Inde, il a fait jusqu'à 55 degrés. La chaleur est tellement intense que ça dessèche avec les vents qui viennent là, du Rajasthan, du désert. Ça dessèche tout. En Inde, le 14 avril, on sort dans la rue. Et c'est comme si on mettait la tête dans un four, et ça dure au moins 2 mois. Et ça vous sèche littéralement l'eau des yeux. Et donc,
les rivières se baissent énormément, les ruisseaux s'assèchent complètement, les lacs, les grands lacs, non, mais les petits lacs, oui. Et alors les tortues, pour chercher un peu de fraîcheur, elles s'enfouissent dans la boue au fond du lac. Donc on dit que Srimati Radhika, elle ressent constamment la séparation de Krishna comme cette canicule d'été, donc qui la terrasse, qui la dessèche. Et pour rechercher un peu de fraîcheur, donc comme une tortue va s'enfoncer dans la boue, elle va s'enfoncer dans le susupti, une espèce de sommeil mystique, une transe ou un évanouissement dans lequel elle se rappelle ses divertissements avec Krishna. Donc, quand Krishna arrive à Vrindavan, donc après être très longtemps à Kurukshetra, il voit Radhika qui est comme. Elle a comme perdu connaissance, elle est comme morte. Et il y a ses servantes qui l'assistent, qui l'évantent. Ils lui mettent de la pulpe de santal toute fraîche sur elle. Mais son corps est tellement enflammé par la séparation que cette pulpe de santal, en rien de temps, devient de la poudre. Toute l'eau s'évapore. Et elle la couvre avec des feuilles de lotus. Mais les feuilles de lotus flétrissent au contact de son corps tellement elle est embrasée de séparation. Lorsque Krishna donc voit ça, il voit sa bien-aimée comme ça, alors il est complètement, il l'a pas vue depuis tellement longtemps, des dizaines et dizaines, des dizaines d'années, pratiquement un demi-siècle, on ne sait pas exactement, ce n'est pas très très précisément expliqué. Donc, quand il la voit, il rentre en extase, il a les yeux complètement écarquillés et il prend cette forme de Jagannath. Et après, Radharani, quand Lalita et Vishakha l'ont ramené à la vie, elle voit Krishna qui, lui, maintenant, est pétrifié par l'extase, qui a l'air évanoui. Et ses amis lui disent: Regarde ton bien-aimé est arrivé. Et ils parviennent également à ramener Krishna à sa conscience. Et là, ils se regardent. Ils ont une union entre leurs yeux. Et Krishna dit à Radhika: Radha, où est la séparation? Nous sommes toujours ensemble. Cette séparation, c'est juste une illusion. On est juste en train de flotter dans un océan avec toutes sortes de sentiments, toutes sortes d'humeurs. Parfois, c'est l'union, parfois, c'est la séparation. Mais regarde, cet océan de séparation dans lequel tu pensais te noyer, où est-il maintenant? Et c'est ce qu'indique dans ce verset du. En l'absence de Krishna, un instant paraît comme une éternité, comme un yuga. Et l'union avec Krishna, quand on est avec Krishna, non, un yuga a l'air de passer en un clin d'œil. C'est pour ça que les gopis qui ont dansé avec Krishna pendant une nuit, que Krishna a fait s'allonger pour devenir une nuit de Brahma, c'est-à-dire des millions d'années. Les gopis, quand la nuit s'est terminée, c'était comme une nuit ordinaire. C'est comme un instant s'était passé. Par contre, dès que Krishna est absent, alors elles pensent que ça fait une éternité qu'ils ne l'ont pas vu. Donc, Jagannath, il veut goûter à nouveau la douceur de Vrindavan. Donc, sous prétexte de monter sur son chariot et faire se donner, donc, à ses dévots en procession. En fait, il quitte le grand temple qui représente Dwarka et il va à Gundicha, le petit temple qui est tout au bout de la grande roue du temple, grande route du temple à Puri qui fait des kilomètres de long. Et ça représente Vrindavan. Et sur la gauche de la route, quand on va du grand temple vers le petit temple, vers Gundicha, il y a plein de jardins enchanteurs, non, Jagannath Vallabha, les jardins de Jagannath, qui lui rappellent Vrindavan. Et Mahaprabhu aimait donc bien, lui aussi, pendant le Rathyatra, se reposer dans ce jardin et essayer de divertir avec ses amis. Ils allaient un peu plus loin jusqu'au lac de Narendra Sarovar, oui, Narendra Sarovar, ou Indradyumna Sarovar, dans lequel ils s'ébattaient. Donc tout ça, ça fait partie des divertissements du Ratha Yatra. On a vu Mahaprabhu donc, qui a conduit en dansant Jagannath jusqu'à Gundicha et le roi Prataparudra qui voulait
tellement voir Mahaprabhu, mais Mahaprabhu avait refusé. Si vous vous souvenez, quand Sarvabhauma Bhattacharya a plaidé la cause du roi en disant c'est un grand dévot, il veut vous voir, Mahaprabhu est devenu très grave en disant non, roi veut dire argent et femme, je suis un sannyasi, je ne peux pas rencontrer un roi. Et si vous insistez, je quitterai Pourri pour m'installer ailleurs. Donc, Sarvabhauma n'osait plus rien dire. Le roi était un grand dévot, donc il rendait service au Vaishnava, il faisait tous les arrangements. Quand il a vu venir du Bengale tous les grands dévots de Mahaprabhu, il a donné l'ordre de faire tous les arrangements pour les recevoir, qu'ils aient chacun des quartiers respectifs pour y demeurer pendant 4 mois, parce qu'il venait pour 4 mois pour la saison chaude et la saison des pluies. Il restait avec le Seigneur, assistait au Ratayatra et rentrait. Il leur a fermé une montagne de prasad. Et le jour du Ratayatra, Mahaprabhu, lorsqu'il a vu le roi très humblement balayer le sol avec un balai aux manches dorées devant Jagannath, satisfait de son humilité, intérieurement, il lui a accordé sa miséricorde. Et Sarvabhauma Bhattacharya, il a conseillé au roi, il ne veut pas te voir, mais pendant le Ratayatra, il va être dans une humeur complètement différente, il va être en extase, il ne va même pas te reconnaître. Et quand il se reposera, non, complètement enfiévré d'avoir dansé devant Jagannath pendant des heures, d'avoir conduit le chariot, non. Mahaprabhu dansait, il regardait Jagannath, Jagannath s'arrêtait pour voir sa danse, Mahaprabhu revenait, continuait. À un moment, le chariot s'est complètement arrêté. Ils ont beau faire venir les lutteurs les plus puissants, ils ne pouvaient pas faire bouger le chariot. Ils ont appelé les éléphants, les cornacs. Appuyaient sur le cou des éléphants avec leur ankus, leur bâton de cornac. Les éléphants barrissaient, mais rien ne bougeait. Et Mahaprabhu a dit à tout le monde, OK, retirez les éléphants, mettez juste les cordes dans les mains des dévots. Et il s'est mis derrière le char de Jagannath, et avec son front, il a commencé à pousser. Et il a commencé à le pousser à vive allure jusqu'à ce qu'il arrive au temple de Gundicha. Tout le monde était émerveillé, comment un homme peut faire non, ce que des éléphants n'arrivaient pas à faire. Et donc ça, c'était le miracle de Mahaprabhu. Et donc les dévots étaient très, très contents. Quand Mahaprabhu, en extase, s'est retiré dans les jardins de Jagannath Vallabha, à ce moment-là, il y a un endroit qui s'appelle, à cet endroit, Balagandhi, je crois, où, en plein milieu du Ratayatra, ils offrent au Seigneur toutes sortes de préparations. Donc, il n'y a pas de règle stricte. On offre dans le jardin, sur le chariot, sous les roues du chariot, en dessous, à côté, tout le monde offre. Et principalement, ils offrent des noix de coco, toutes sortes de choses comme ça. Si vous allez à... Alors, les noix de coco, ils les offrent d'une certaine, enfin, une drôle de manière. Ils les jettent par terre pour les casser et ils aspergent les roues du chariot avec le jus. Après, les offres comme ça. Et quand vous allez à Pourri pour le Ratayatra, ça, c'est sans arrêt, on entend, ils jettent des noix de coco comme ça par terre. Donc, Mahaprabhu, complètement en extase, est rentré dans le jardin. Il s'est allongé sous un arbre, sur une petite plateforme. Et là, c'était la chance du roi Pataparudra, habillé très simplement, non pas en habit royal, mais en habit simple de grihastha. Il a commencé à masser les pieds du Seigneur et, comme le lui avait conseillé Sarvabhauma Bhattacharya, il a commencé à réciter des versets de Rasa Panchadhyaya, donc surtout Gopi Gita. Et lorsqu'il est venu au verset célèbre Tavakatamritam, Tavakatamritam, Tatajivanam, Kaviriditam, Kalmasapaham, Shravana Mangala, Shiradatatam, Mahaprabhu s'est levé, l'a embrassé, l'a étreint, l'a serré sur son cœur en disant Burida, 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 ça veut dire miséricordieux, miséricordieux. Ce verset, ce sont les gopis qui s'adressent à Krishna qui dit Tavakatamrita Taptajivana. Oh, le kata qui a trait à toi, c'est-à-dire le récit de tes divertissements, les descriptions de ta forme, ta beauté, tes qualités, etc., tes noms,
C'est du nectar qui nous redonne la vie. Ça, c'est Gopi Gita, quand les gopis étaient séparés de Krishna. Et qu'elle le retrouve finalement. Donc, elle chante Gopi Gita. Ça, c'est le verset le plus célèbre. Donc, écoutez ce kata, ça purifie complètement de toutes les fautes qui sont présentes dans ce monde matériel et toutes les réactions pécheresses. Ceux qui distribuent ce nectar, en vérité, sont les plus magnanimes, ce sont les plus grands philanthropes. Srila Narayana Maharaj vous a révélé un autre sens du verset caché où les gopis jouent avec les mots. Non, tava kata amrita. Le kata, c'est amrita. Mais si on coupe différemment, c'est tava kata amrita. Entendre parler de toi, c'est la mort. Ça nous tue d'entendre parler de toi. Parce que on entend parler de toi, mais on n'est pas avec toi, donc ça nous dévaste le cœur. Donc, entendre parler de toi, en fait, ce n'est pas du nectar, ça tue. Et Srila Maharaj disait, il paraphrasait en disant, si vous voyez un dévot avec un Bhagavatam sous le bras, donc un dévot habillé en safran surtout, ne vous approchez pas. Parce qu'il va vous dire que son livre, c'est plein de nectar, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? Si vous écoutez cet avertissement, si vous écoutez ces descriptions, alors ça va tuer. Ça va être la mort de tous vos attachements matériels, la mort de tous vos amours matériels. Vous allez quitter votre maison, quitter votre famille, laisser votre femme éplorer, votre mari éplorer, vos enfants. Et vous allez venir à Vrindavan et vous allez devenir un mendiant ou une mendiante dans la rue. Je me souviens, Narayana Maharaj, vous avez dit ça. Je vous préviens, si vous suivez cette voie, un jour, vous allez tout perdre et devenir des mendiants dans la rue. Je me rappelle le jour où il m'a donné sannyas, je me suis dit, eh ben ouais, il m'avait bien prévenu. On se retrouve, sannyas, ça veut dire que tu es un mendiant, tu as même le titre officiel, Tridandi Bhikshu, mendiant avec un bâton à trois branches. Donc, quand Maharaj Pratapavudra a chanté ça, ce verset Mahaprabhu était complètement en extase, il dit continue, continue, continue. Intérieurement, Mahaprabhu a compris qu'il était le roi, mais comme il lui avait donné sa miséricorde, il a fait comme s'il ne savait pas. Et donc, il a commencé à danser en extase d'avoir entendu donc, le roi chanter. Et le roi donc, était tout en félicité d'avoir pu voir Mahaprabhu, non seulement le voir, mais lui masser les pieds, chanter pour lui, recevoir son étreinte. Et le roi avait humblement d'abord demandé la permission à tous les dévots. Et ensuite, Mahaprabhu a demandé à tous les dévots de donner leur miséricorde au roi. Donc, tous les grands dévots l'ont béni. Après ça, ils ont tous été se rafraîchir dans les eaux du lac Narendra Sarovar. Et là, ils se sont divertis comme des enfants à s'éclabousser dans l'eau, à s'asperger. À un moment, Advaita Acharya, il s'est allongé sur l'eau et il a pris la forme de Seshanaga et Mahaprabhu s'est allongé sur lui en prenant la forme de Vishnu. Et toutes sortes de divertissements merveilleux comme ça. Et donc, les dévots entre eux faisaient des joutes avec l'eau. Après, une quantité inouïe de prachada a été amenée. Mahaprabhu lui-même a voulu a distribuer le prachada. Et après, Sarvabhauma Mahaprabhu lui a dit, mais tous les dévots ne mangeront pas tant que tu ne t'es pas assis toi-même pour manger. Donc, Mahaprabhu s'est assis avec ses dévots intimes, a pris prachad. Voilà, comme ça. Et ensuite, le roi Pratapavudra a donné l'ordre pour le lendemain, ou quelques jours plus tard, en fait, Panchami, c'est 5 jours. Jagannath, quand il part sur son chariot, il dit à la déesse de la fortune, qui représente Rukmini, et qui représente toutes les reines, en fait, avec Rukmini à leur tête, il lui dit je vais mais je reviens demain. Or il ne revient pas du tout le lendemain. Donc au bout de 5 jours, la déesse de la fortune commence à être fâchée parce qu'une femme délaissée, on sait bien qu'une femme négligée, elle se fâche. Donc elle va chercher son mari. Alors elle va, comme elle est la déesse de la fortune, elle va chercher sur un chariot très opulent, entouré par toutes ses servantes,
aussi décoré de façon somptueuse. Et donc le roi Prataparudra, il avait, ça, pour plaire à Mahaprabhu, il avait dit, demain on fêtera donc Erapanchami, il avait dit ça à son secrétaire, son intendant. Il lui dit, organise ce festival de manière tellement fastueuse que Mahaprabhu soit vraiment ravi et impressionné. Il faut que ça soit encore mieux que le Rathayatra. Réunis tous les tissus imprimés, les cloches, les ombrelles, les chamaras, toutes sortes de bannières, de cloches, petites et grandes. Décore le palanquin, fais-le accompagner avec différents groupes de musiciens, de danseurs. Fais que ça soit très, très attirant. Donc, Mahaprabhu, le matin, a emmené ses compagnons tôt pour aller voir le Seigneur, donc à Sundarachal. Sundarachal, c'est un autre nom pour Gaudichal. Et après, ils sont retournés pour assister à la fête de Rapanchami. Donc, Mahaprabhu a pris son siège, parce que c'est comme un divertissement, c'est comme une pièce pratiquement de théâtre. Hein. Et il a demandé à Sarupa Damodar de lui parler. Non. Il lui a dit, bien que le Seigneur Jagannath se livre à ce divertissement à Dwarka, et il montre naturellement une magnificence sublime, une fois par an, il ressent un désir infini de voir Vrindavan. Mahaprabhu dit, tous ces jardins ressemblent exactement à Vrindavan, que le Seigneur Jagannath désire ardemment les revoir. Donc, sous prétexte de vouloir participer à la fête de Rathayatra, comme on disait tout à l'heure, en fait, Jagannath, il veut aller à Gundicha, qui est la réplique de Vrindavan. Donc, jour et nuit, il se divertit dans les jardins emplis de fleurs. Et Mahaprabhu donc demande, en riant, à Sarupa Damodar, mais comment ça se fait qu'il n'a pas emmené avec lui la déesse de la fortune, Lakshmi Devi? Alors, Sarupa Damodar lui répond, mon cher Seigneur, voici la raison. Lakshmi, la déesse de la fortune, ne peut pas être admise dans le divertissement de Vrindavan. Dans le divertissement de Vrindavan, les seules assistantes, ce sont les gopis. En dehors des gopis, personne n'est en mesure de séduire le mental de Krishna. Donc, en fait, la fête du char, le Rathayatra, lui sert d'excuse. Donc, tous les divertissements de Krishna avec les gopis qui se déroulent dans les jardins, ce sont des extases très secrètes de Krishna. Personne ne les connaît. Mais Mahaprabhu demande à nouveau, mais puisqu'il y a aucun défaut, rien n'entache le divertissement de Krishna, pourquoi est-ce que la déesse de la fortune se met en colère? Alors, il répond, Sarupa Damodar, c'est naturel pour une jeune fille amoureuse de sentir, non, de se mettre en colère lorsqu'elle se sent négligée par son bien-aimé. Donc, pendant qu'ils étaient en train de parler comme ça, donc la procession de la déesse de la fortune vient à passer. Elle était sur un palanquin en or, porté par quatre hommes, un palanquin incrusté de pierres précieuses, rutilantes, c'était une opulence inouïe. Donc le palanquin était entouré de gens portant des ombrelles, des chamaras, des bannières, avec des danseuses et des musiciens. Les servantes portaient des pichets d'eau, des chamaras, des coffres pour les noix de Bethel. Il y en avait des centaines, toutes vêtues avec beaucoup d'opulence, parées de colliers précieux. Donc la déesse de la fortune, en colère, arrive à la porte principale du temple, non, accompagnée de nombreuses, non, servantes qui sont toutes, non, très opulentes. Et lorsque la procession arrive, les servantes, dans cette Mahaprabhu riait, c'était très désopulent, les servantes de la déesse de la fortune arrêtent tous les serviteurs principaux du Seigneur Jagannath. Ils les ligotent, leur attachent les poignets, et les jette aux pieds du Paris de Lotus de la déesse de la fortune. Ils sont arrêtés comme des voleurs. Lorsque les serviteurs tombent pratiquement sans connaissance aux pieds de la déesse de la fortune, les servantes les admonestent et Nana Mati Gali Dena Bandavachane. Ils utilisent un langage un peu coquin par rapport à eux. Ça, c'est une spécialité à Jagannath Puri. Même Jagannath, quand il est sur son chariot ou quand il sort sur son chariot, les dévots de Jagannath, ses dévots de Puri, le traitent assez cavalièrement, assez familièrement. Ils le traitent un peu comme les gopis, parce que c'est ce qui plaît à Krishna. Les gopis qui le traitent de vaurien, de coureur de jupons, de fieffé coureur de jupons,
là, dans ce texte justement, que je traduis, c'est vraiment des fois désopilant, comment il l'appelle. Roi des voleurs. Comme dit par exemple, oh, le roi des voleurs a dû lui donner un mantra ou une potion qui amène autrui sous son envoûtement. Non, c'est pour ça que Krishna a brisé le bonheur conjugal des gopis. Hein? Alors, Manu Mangal, il dit, oh, parce qu'il est toujours en train de faire des blagues, Lalita dit vrai. Non, sans le pouvoir de chanter des mantras vraiment puissants, comment est-ce que Krishna, qui par nature est tellement doux, tellement plus rafraîchissant même qu'une fleur de lotus, comment il aurait pu mettre à mal tous ces démons, non, qui étaient comme des grandes montagnes? Alors Lalita disant, oh, qu'est-ce que tu racontes? De se rappeler de Krishna, ça nous brûle. Alors ne va pas nous chanter que ton ami, il est rafraîchissant comme une fleur de lotus. Hein, tu ne nous la fais pas, celle-là. Ouais. Donc ça, c'est le sentiment de Vrindavan. C'est le mood. L'humeur de Vrindavan avec ces blagues constantes entre Krishna et ses amis et les gopis. Donc, Saoudamodar une telle fierté ne se rencontre nulle part dans les trois mondes. J'en ai jamais entendu parler. Lorsqu'une femme est délaissée, dépitée, non, par fierté, elle enlève ses parures, elle s'assoit par terre, l'herbe morose. Elle fait des dessins comme ça sur le sol avec ses ongles. J'ai entendu parler de cette sorte d'orgueil à propos de Satyabhama, la plus fière des reines de Krishna. J'en ai également entendu parler à propos des gopis de Vrindavan. Mais dans le cas de la déesse de la fortune, c'est un orgueil vraiment différent. Puisque là, elle déploie toute son opulence, elle va même jusqu'à attaquer elle va faire que ses soldats vont attaquer les serviteurs de son mari et son mari lui-même. Et quand tous les dévots assemblés, voyez avec quelle impudence les servantes de la déesse de la fortune se comportaient avec les serviteurs de Jagannath, non, ils pouffaient de rire en se cachant le visage et leurs mains. Alors, Mahaprabhu lui demande, s'il te plaît, parle-moi des différentes manifestations d'amour qui sont propres à Vrindavan. Alors, Saroudamana a répondu, l'orgueil des gopis est comparable à un fleuve dans lequel se jettent des centaines d'affluents. Parce que les caractéristiques et les natures de l'amour sont différentes selon les femmes. Leur colère jalouse, leur man, qui est une des formes d'extase, se manifeste de façon différente et avec différentes caractéristiques. Ce n'est pas possible de faire un exposé entier de différentes sortes de colères jalouses exprimées par les gopis, mais je peux donner quelques principes généraux pour s'en faire une idée. Et donc, il y a donc trois sortes de femmes chez lesquelles apparaît une colère inspirée par la jalousie, hein, ce qu'on appelle man. Il y a les femmes réservées, les femmes qui sont, au contraire d'être réservées, elles sont très nerveuses. Très nerveuse, je pense que ce n'est pas vraiment une bonne traduction, parce que dira, ça veut dire sobre, réservé. Et adira, l'opposé, très nerveuse, très agitée. Vous voyez. Et il y a un troisième groupe qui sont dira-adira, un mélange de placidité et d'émotivité. Donc, lorsqu'une héroïne réservée, la première catégorie, dira, voit son héros au loin s'approcher, elle se lève aussitôt pour le recevoir. Lorsqu'il se trouve près d'elle, elle lui offre un siège. Elle dissimule sa colère intérieurement et extérieurement, elle prononce des paroles très douces. Et lorsque son bien-aimé la prend dans les bras, elle répond à son étreinte. Ça, c'est l'héroïne placide. Elle se comporte donc avec beaucoup de simplicité. Elle garde sa colère jalouse dans son cœur, mais avec des mots doux et des légers sourires, elle repousse les avances de son bien-aimé. Ça, c'est là. Hein? Une sorte. Maintenant, l'héroïne qui est plus nerveuse, qui est adhérente, qui n'est pas sobre, elle fustige parfois son bien-aimé avec des mots cruels, parfois elle lui tire l'oreille et des fois elle l'attache même avec des guirlandes de fleurs. Par contre, l'héroïne qui est dira adhérente, à la fois placide et émotive,
Elle plaisante toujours en utilisant des paroles équivoques. Parfois, elle complimente son bien-aimé, d'autres fois, elle le critique et parfois, elle se montre indifférente. On peut également classer les héroïnes dans trois catégories: Mugda, Madhya, Pragalba. Ingénue, intermédiaire et impudente. Par exemple, Lalita, Sakhi, elle est un exemple de Pragalba, impudente. Dès que Krishna fait le moindre critique ou le moindre sarcasme, parce que entre eux, il y a toujours donc, toutes ces blagues entre Krishna et les gopis, entre Krishna et Radharani, toujours c'est parler à double sens avec des sous-entendus et tout. Donc dès qu'elle décèle, que Lalita décèle chez Krishna le moindre sarcasme, aussitôt elle se présente devant lui, hein, comme pour la protéger. Et on dit là, sa poitrine est comme une armure derrière laquelle elle cache Radha. Et elle lui dit, oui, on sait bien quelle sorte d'amant tout fidèle tu es. Oui, on sait bien. L'air de dire, bon, ne la ramène pas trop parce que si je te veux que je te fasse la honte, je te mette la honte, comme on dit en public, dis-moi, fais-moi signe. Hein, ne me cherche pas. Donc la Lalita, elle est comme ça, Pragalba. Donc l'héroïne qui est, donc il y a ingénue, subjuguée, intermédiaire. Celle qui est ingénue ne connaît pas grand-chose aux astuces complexes de Man, la colère jalouse. L'héroïne subjuguée, elle se couvre simplement le visage, elle pleure sans s'arrêter. Mais elle est apaisée dès qu'elle entend son bien-aimé lui adresser de douces paroles. Par contre, des héroïnes intermédiaires et impudentes peuvent être placides, émotives ou simultanément les deux. Donc, il y a encore trois autres groupes. Certaines sont très loquaces, d'autres douces, d'autres sereines. Donc, chaque héroïne, selon sa propre nature, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accroît simplement l'extase d'amour de Krishna. Donc, elles rendent Krishna heureux grâce à leur qualité unique. Donc, Mahaprabhu, d'entendre ça, toutes ces caractéristiques des gopis, il était non, plongé dans un bonheur infini et donc il a insisté que Sarvadamanar continue à parler. Alors, il a continué en disant, Krishna est Akhila Rasamrutamurti et il est Rasik Shekhar. Il est le maître de tous les doux sentiments spirituels. Il est celui qui goûte aux saveurs transcendantales, au rasa, et son corps est complètement fait de félicité transcendantale. Hein, on dit bien Raso Vaisa. Krishna est le rasa personnifié. Et lorsque les êtres atteignent Krishna, automatiquement, ils goûtent ce rasa et deviennent non, complètement heureux. Donc, Krishna est empli d'amour extatique. Il est toujours subordonné à l'amour de ses dévots. Et les gopis sont très expérimentés dans ce domaine de l'amour pur et des sentiments spirituels très tendres. Donc, aucune impureté n'entache leur amour et de ce fait, elles procurent à Krishna le plaisir le plus élevé qui soit. De toutes les gopis, Radharani est la principale. Elle est une mine de joyaux d'amour extatique. Elle est la source de tous les charmes de l'amour conjugal transcendantal purifié. Elle est d'un tempérament très mûr et équilibré. Alors, il y a deux sortes de gopis, le groupe de gauche et le groupe de droite. Donc, qui font chacune goûter à Krishna une variété de saveurs transcendantales par les manifestations de différentes formes d'amour extatique. Donc, Radharani, elle partage constamment l'état d'âme des gopis de gauche. Alors, dans Ujjala Nilamani, Rupa Goswami, il a décrit tout ce qui a trait à la bhakti dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, que Prabhupada a traduit sous la forme du nectar de la dévotion. Mais il a réservé un autre livre pour parler seulement de Madhuryaras. Non. Dans le premier, il décrit toutes les formes de bhakti. Il traite des différents rasas, il donne toutes sortes d'exemples, toute la science de la bhakti. Mais il a réservé une autre partie, un livre séparé, Ujjvala Nilamani. Ujjvala Nilamani, c'est le saphir. Donc, Nilamani, c'est Krishna, couleur d'un saphir bleu. Et Ujjvala, ça veut dire. Lorsqu'il manifeste l'extase la plus élevée, les symptômes d'extase les plus élevés. Donc, Ujjvala Nilamani. Donc, dans ce livre, il a expliqué en détail toute la science des gopis, toutes les sortes d'amantes de Krishna, toutes les sortes de gopis.
avec tous les détails très très précis. Par exemple, il dit une copie du groupe de gauche est définie ainsi: Managrae sado yukta tache tilie chat kopana abedia nayake praya kura vameti kirtiate. Une gopie qui s'emporte vite par jalousie, dont le courroux se déchaîne avec ardeur, qui réagit par la colère lorsqu'elle est vaincue, qui n'est jamais soumise à un héros et lui résiste toujours, est appelée une vama, une gopie de gauche. Dans la politique, on a les gauchistes et on a la droite. Et là, c'est un reflet du monde spirituel où dans le gouvernement transcendantal de l'amour, il y a les gauchistes, les gopis de gauche et Radharani et la chef, la Yuteshvari, la cheftaine du groupe de gauche. Et maintenant, les Dakshina, les gopis de droite, une gopie qui ne peut tolérer la colère féminine, qui parle au héros avec correction et qui est satisfait de ses douces paroles, est appelée une Dakshina, une gopie de droite. Donc, étant une gopie de gauche, la colère féminine de Radharani s'éveille constamment. Mais Krishna trouve en son comportement une source de félicité transcendantale. Hein, puisque dans le dictionnaire de Radharani, on sait bien qu'il y a seulement un mot, c'est comment satisfaire Krishna. C'est tout ce qui l'intéresse. Et comme Krishna est satisfait de cette attitude de Radharani qui se montre donc de gauche, donc qui le repousse, qui fait la difficile, hein, toutes les jeunes filles savent dans ce monde, c'est un reflet donc de l'humeur transcendantale de Radharani. Si je fais celle qui est difficile à obtenir, ça ne fait que renforcer davantage le désir du garçon. Donc les filles regardent les garçons, même pas dans tes rêves, moi et toi, même pas dans tes rêves. Donc ça attire encore plus les garçons. Alors Radharani, elle fait ça pour Krishna. Donc Krishna est encore plus attiré parce que elle est difficile à obtenir. Et donc, man, c'est l'arme même de Radharani. Et un jour, Krishna lui a demandé, Radharani, est-ce que tu peux m'apprendre à faire man? Parce que en sanskrit, ça s'appelle Guru Maravidya, la connaissance qui peut tuer le gourou. L'exemple est donné pendant la bataille de Kurukshetra, les Pandavas savaient que Bhishmadev était invincible. Il avait reçu la bénédiction de Icham Ritu, de mourir quand il le voulait. Et donc, tant qu'il n'avait pas décidé, on ne pouvait pas le tuer. Et il pensait, mais tant que Bhishmadev ne meurt pas, c'est impossible de remporter la bataille. Donc, ingénument, ils ont été un soir, parce que les guerriers à cette époque-là, ils se battaient comme des lions pendant la journée, mais le soir, ils se rendaient visite dans leurs camps respectifs et ils glorifiaient les hauts faits de leurs ennemis temporaires. En disant, ah, aujourd'hui, t'as failli m'avoir. J'ai cru que je ne pouvais pas m'échapper à ta fougue, à tes assauts. Donc, ils ont été dans le camp de Bhishmadev et lui ont demandé, s'il vous plaît, dites-nous comment on peut vous tuer. Donc, ça, c'est Guru Maravidya. La connaissance pour tuer le gourou. Alors il leur a dit, il faut mettre Arjun sur son char et devant Arjun mettre Shikhandi et que Shikhandi m'envoie des flèches. Comme je sais que Shikhandi était une femme la vie passée, je ne me défendrai pas et Arjun derrière pour me décocher des flèches mortelles. Donc, c'est comme ça qu'ils sont venus à bout du vieux Pitamaha, l'ancêtre des gourous, Bhishmadev. Donc Krishna une fois a demandé à Radhika, est-ce que tu peux m'enseigner man? Alors, il dit, bon, d'accord. Alors, il dit, comment ça marche? Alors, il dit, tu vois, tu m'as bien vu le faire. Non, oui, mais je ne sais pas comment on entre dans man, je n'ai aucune idée. Moi. Je ne suis pas une fille, donc je ne sais pas du tout comment on fait man. Alors, Radharani lui dit, ben voilà, je t'appelle Krishna, et toi, tu ne réponds pas. Non seulement tu ne réponds pas, mais tu tournes la tête et tu fais l'indifférent. Tu as compris? Oui, d'accord, c'est simple. Krishna? Oui, Radharani. Mais non, je viens de te dire, quand je t'appelle, tu ne me réponds pas et en plus tu tournes la tête, tu fais l'indifférent. Ok, deuxième chance. Krishna? Oui, Radha.
Je viens de te dire. Non, quand je te dis Krishna, tu réponds pas. Ça c'est man. Ok, dernière chance. Krishna. Krishna. Krishna tourne la tête, est complètement différent. Alors, elle a dit, très bien, très bien. Et au bout d'un moment, elle appelle Krishna. Et Krishna ne répond pas, il tourne la tête, il fait indifférent. Là, Radharani commence à s'inquiéter. Et aussitôt, à Vrindavan, il y a des messagères, il y a des fois des perroquets qui sont les messagers, ou les femelles perroquets, surtout les saris, comme on les appelle. Donc, une femelle sari comprend tout, et vite, elle vole pour aller chercher une sakhi, et qui vient et qui plaide auprès de Krishna de sortir de Man. Et Krishna dit, moi, je veux bien sortir, mais je ne sais pas comment faire. Elle m'a juste appris comment entrer dans Man. Elle m'a pas appris comment en sortir. Donc ça, c'est le genre de divertissement que Krishna a avec les gopis. Ou une autre fois aussi, Radharani commence à... Non, Krishna commence à faire Man. Maintenant qu'il a appris à le faire, donc il commence à faire Man. Puis au bout d'une demi-heure de bouder, de faire la tête, de faire l'indifférent et tout, il se dit, pourquoi je suis en train de perdre mon temps? On pourrait se divertir pendant ce temps-là. Alors, non. Il dit à Radharani, regarde cette belle grenade. Et Radharani le regarde avec un air un peu sarcastique. C'est ça ton man? C'est tout ce que tu peux pas faire mieux que ça? Il dit, regarde mon man. Et là, elle croise les bras et pendant 2 heures, elle ne lui parle pas. Et lui, il essaie désespérément de la faire sortir de man. Donc, ce man, c'est juste pour le plaisir de Krishna, comme Sarvadamodar le dit ici. Non. Krishna trouve en son man sa colère, non, une source de félicité transcendantale. Hein? Parce que c'est dit, et la Rupa Goswami le cite, L'évolution des rapports amoureux au sein d'un jeune couple est par nature tortueuse, hein, comme la reptation d'un serpent. Sur un autre verset dit, les rivières, les serpents, les femmes et l'amour, ça se montre pas droit, ça suit un mouvement sinueux comme ça. Et donc il dit de ce fait, non, l'évolution de leur rapport, c'est tortueux comme la reptation d'un serpent, ce mouvement de serpent. Hein? Hein? Coutil, Swabhav. Aher Iva, ça veut dire comme un serpent. Non, de ce fait, deux sortes de colère de man donc, apparaissent chez les jeunes couples, la colère ayant une cause, la colère n'ayant pas. Donc, des fois, Radharani, elle a Hetuman, elle a une colère avec raison, et des fois, Ahetuman, une colère sans raison. Par exemple, Krishna lui dit, Oh Radha, non, ton visage est comme la lune. Alors, Radha n'a aucune raison de faire mal, mais elle se dit, Ah bon, mon visage est comme la lune. Alors comme ça, j'ai le visage qui enfle et qui désenfle. Hein? Mais Radha, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah, alors mon visage est plein de taches, c'est ça, hein, c'est ça. Hein. Vas-y, ben dis-moi que j'ai un visage de lune. Continue. Donc ça, c'est un exemple de man sans aucune cause. Pour rien, elle cherche la bagarre. Si on peut dire. Donc quand Mahaprabhu entendait ça, dans son extase, non, ça croissait sans cesse. Il disait à Sarvadamodara, continue à parler, continue à parler. Donc, Sarvadamodara poursuivit, l'amour de Radharani est une extase à très haut niveau. Tous ses actes sont absolument purs et dénués de toute souillure matérielle. En vérité, son comportement est 10 fois plus pur que l'or. Dès que Radharani a l'occasion de voir Krishna, son corps se pare subitement de divers ornements extatiques. Donc, les 8 sattvic bhav, les 8 symptômes transcendantaux, les 33 vyavichari bhav, non, et les 20 bhava, les autres ornements émotionnels extatiques. Donc, il commence à décrire tout ça en détail. Et donc, différents symptômes, donc, kilakinchit, kutamita, vilas, lalita, vivok bhav, motayita bhav, mobdya bhav, chakita bhav.
Quand le corps de Radharani sort de nombreux symptômes d'extase, l'océan de bonheur de Krishna manifeste aussitôt des vagues transcendantales. Donc, il commence à décrire toutes sortes d'extases. Par exemple, Kila Kinchit. Non. Non. Quand Krishna voit Radharani, il veut toucher son corps. Il lui interdit d'aller à l'endroit où on peut traverser la Jamuna. Il lui interdit de cueillir des fleurs. Il la touche des fois même devant ses amis. En de telles circonstances, il y a des symptômes spéciaux qui apparaissent sur le corps de Radharani qui s'appellent Kila Kinchit. Non. Le premier de tous ces symptômes, leur source, c'est la joie propre à l'amour extatique. Donc, Kila Kinchit Bhav, c'est comme un bouquet de différentes émotions. Orgueil, ambition, pleurs, sourire, envie, peur et colère. Voilà les sept symptômes d'amour extatique qui apparaissent lorsqu'une personne se dérobe tout en ressentant une grande joie intérieure. C'est ce qu'on appelle Kila Kinchit Bhav. Donc là, il va décrire... On les compare à un mélange de yaourt, de sucre candi, de ghee, de miel, de poivre noir, de camphre et de cardamome, mélange fort doux et savoureux. Et donc, voir le visage de Radharani éclairé par cette combinaison d'émotions extatiques, ça donne à Krishna des milliers de fois plus de bonheur que de l'étreindre directement dans ses bras. Son mental est complètement comblé. Donc, il donne toutes sortes de citations. Donc, Sarvadamodar continue, et à ce moment-là, Srivastakur, c'est Srivast dans le divertissement de Goranga, il est Narada Muni dans le divertissement de Narayan et Krishna. Donc, non, Srivast à ce moment-là, ayant entendu toutes ces choses-là, de la bouche de Sarvadamodar, il sourit et dit « Écoute, s'il te plaît. Non. Vois combien d'opulence est celle de ma déesse de la fortune. Vois dans quelle opulence elle vit. Pour ce qui est des richesses de Vrindavan, elles consistent en quelques fleurs et brindilles, des minéraux sur les collines, quelques plumes de paon et la baie qu'on appelle Gunja. » Donc, lorsque Jagannath voulut voir Vrindavan, il s'y rendit et cette nouvelle plongea la déesse de la fortune dans l'agitation et la jalousie. Pourquoi le Seigneur Jagannath a-t-il délaissé tant de richesses pour aller à Vrindavan, s'étonne-t-elle. Donc, pour en faire la risée de tous, elle prend des dispositions pour sortir en grand apparat. Donc, les servantes de la déesse de la fortune, à ce moment-là, accusent les serviteurs de Jagannath et leur disent « Pourquoi votre Seigneur Jagannath a abandonné le faste de la déesse de la fortune pour quelques feuilles, fruits et fleurs dans le jardin de fleurs de Radharani ? Pourquoi votre maître, si habile pourtant en toutes choses, agit-il ainsi ? Veuillez donc amener votre maître en présence de la déesse de la fortune. » Donc, toutes les servantes de la déesse de la fortune, comme on disait tout à l'heure, arrêtèrent les serviteurs de Jagannath, les ligotèrent par la taille et les amenèrent en présence de la déesse de la fortune. Ils furent condamnés à une amende et contraints de se soumettre. Les servantes se mirent toutes à taper sur le char de Jagannath avec des bâtons et elles traitèrent les serviteurs de Jagannath presque comme des voleurs. Donc finalement, tous les serviteurs de Jagannath se soumirent à la déesse de la fortune et les mains jointes promirent qu'ils ramèneraient Jagannath dès le lendemain. Donc, ainsi apaisée, la déesse de la fortune rentra dans ses appartements. Tu vois, dit Sarvadamodar, Srivastakura Sarvadamodar, tu vois, l'opulence de ma déesse de la fortune dépasse toute description. Tes gopis passent leur temps à faire bouillir du lait, à barater pour en faire du yaourt. Mais ma maîtresse, la déesse de la fortune, elle siège sur un trône fait de joyaux incrustés de pierres précieuses. Donc, Srivastakura, donc, dans le sentiment de Narada Muni, donc il tenait ses propos un peu moqueurs. Et lorsqu'il entendit, tous les serviteurs personnels de Mahaprabhu souriaient. Mahaprabhu dit alors à Srivast, mon cher Srivast, tu as exactement la même nature que Narada Muni. L'opulence de Dieu, la personne suprême, exerce directement son influence sur toi. Sarvadamodar, lui, c'est un pur dévot de Vrindavan. Il ne sait même pas ce que c'est l'opulence. Il est simplement absorbé dans le pur service de dévotion. Sarvadamodar répliqua donc, mon cher Srivast, écoute-moi avec attention, s'il te plaît. Tu as oublié l'opulence transcendantale de Vrindavan. Les richesses naturelles de Vrindavan sont comme un océan. L'opulence de Dwarka et de Vaikuntha ne peut même pas être comparée à une goutte de celle de Vrindavan. Donc, Sarvadamodar ne se laisse pas faire et maintenant
défend Vrindavan contre Narada Muni. Non. Krishna est Dieu, la personne suprême, doté de toutes les opulences. Mais en fait, il ne révèle dans leur plénitude ces opulences qu'à Vrindavan. Vrindavan est fait des pierres transcendantales qui satisfont tous les désirs. Partout, son sol produit des pierres précieuses dans les plus, de toutes sortes. Et le joyau de Chintamani orne les pieds paresseux des servantes de Vrindavan. Vrindavan, c'est une forêt naturelle de plantes et d'arbres à souhait. Les habitants ne veulent rien d'autre que les fruits et les fleurs de ces arbres à souhait. À Vrindavan, il y a un nombre infini de vaches qui comblent tous les désirs, des Kamadhenu. Elles paissent de forêt en forêt et ne donnent que du lait. Les habitants ne veulent rien d'autre. Les paroles des habitants de Vrindavan vibrent comme une musique et leur démarche ressemble à une danse. L'eau à Vrindavan est du nectar et le rayonnement du Brahma Jyoti y est directement perçu dans sa forme. Les gopis sont également des déesses de la fortune et elles surpassent la déesse de la fortune qui demeure à Vaikuntha. À Vrindavan, Krishna joue constamment de sa flûte transcendantale qui est pour lui sa chère compagne. Non. Et donc là, il cite un verset de la Brahma-samhita. Les demoiselles de Vrindavan, les gopis, sont des déesses de la fortune supérieures à tout autre. Le Seigneur et Maître de Vrindavan est Dieu, la personne suprême, Krishna. Les arbres sont tous des arbres à souhait. La terre est faite de pierres précieuses transcendantales qui comblent tous les désirs. L'eau est un pur nectar. Les paroles sont des chants. Les pas sont une danse. Et la flûte de Krishna est sa compagne constante. Non. Le rayonnement de la félicité transcendantale est partout perçu. Vrindavan Dham est donc le seul et unique séjour des délices. Ben, verset de la Brahma-samhita. Les bracelets de cheville des demoiselles de Vrajabhumi sont faits de pierres Chintamani. Les arbres sont des arbres à souhait. Ils produisent des fleurs que les gopis utilisent pour se parer. Il y a également des Kamadhenu, des vaches qui exaucent tous les vœux et donnent du lait en quantité infinie. Ainsi, l'opulence de Vrindavan se déploie dans sa plus grande félicité. Srivastakor se mit alors à danser sous l'effet de l'extase d'amour. Il fit des bruits en se frappant les aisselles avec les paumes de ses mains et rit très fort. C'est ainsi que Mahaprabhu écouta cet entretien sur les émotions pures et divines de Radharani. Baignant dans une extase transcendantale, le Seigneur se mit à danser. Tandis qu'il dansait, que Sarva Damodar chantait, Mahaprabhu disait: continue à chanter, continue à chanter. C'est ainsi que l'amour extatique de Mahaprabhu s'éveilla lorsqu'il entendit les chants de Vrindavan. Et Jagannath Puri fut inondé d'amour pour Dieu. Finalement, la déesse de la fortune retourna dans ses appartements, tandis que Mahaprabhu dansait l'après-midi, touché à sa fin. Ayant longuement chanté, les quatre groupes de Sankirtan montrèrent des signes de fatigue, mais l'amour de Mahaprabhu redoubla. Tandis qu'il dansait, absorbé par les sentiments d'amour extatique de Radharani, Sri Chaitanya Mahaprabhu apparut sous les traits mêmes de Radharani. Voyant cela de loin, Nityananda Prabhu ne s'approcha pas, mais offrit des prières. Donc là, Mahaprabhu est tellement dans cette humeur de Vrindavan qui a été stimulée par Sarvodamodar qu'il prend carrément la forme de Radharani. Alors, bien sûr, pas tous les dévots l'ont vu, et Nityananda Prabhu l'a vu dans cette extase et s'est pas approché, resté à distance. Voilà. Donc après cela, Mahaprabhu a repris conscience de la réalité externe et s'est rendu dans un jardin de fleurs avec tous ses dévots. Après s'être reposé un certain temps, il a fait ses ablutions et à ce moment-là, arrivèrent en quantité des mets variés offerts à Jagannath et d'autres offerts à la déesse de la fortune. Mahaprabhu prit son prasad. Après ses ablutions du soir, il alla voir le Seigneur Jagannath. Dès qu'il le vit, il se mit aussitôt à chanter, à danser et ensuite, à nouveau, avec ses compagnons, ils allèrent s'amuser dans le lac Narendra Sarovar. Donc, pendant 8 jours, Mahaprabhu se livra constamment à toutes sortes de divertissements. Et le dernier jour, Jagannath sortit du temple et retourna chez lui sur son chariot. C'est ce qu'on appelle le Rathayatra de retour. Comme auparavant, Mahaprabhu et ses dévots chantèrent et dansèrent avec une joie immense. Donc, les divertissements du Seigneur Chaitanya sont illimités et sans fin. Même Shesha ne peut atteindre les limites de ces divertissements alors qu'il les glorifie constamment avec ses milliers de bouches. Voilà un petit peu donc de
ses divertissements de Mahaprabhu à Jagannath Puri en compagnie de ses dévots, le Ratha Yatra et Rapanchami. On a vu le nettoyage du temple de Gundicha. Voilà, 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 mes chers amis. Alors, avons-nous des questions, des protestations, des bonnes résolutions? Oui, Maharaj, Haribol, j'ai lu dans le Lakshmi Purana, il y a une histoire avec Jagannath et Lakshmi, en fait, où Lakshmi, pour montrer quelque chose à Jagannath, elle le prive de nourriture, en fait, et ce qui fait que Jagannath n'arrive pas à trouver de la nourriture nulle part, en fait. C'est dans le Lakshmi Purana, ça. Ah oui? Je sais pas si c'est possible. Cette histoire. En faisant man, en faisant. Et man, ça veut dire une humeur de bouderie jalouse. Et à un moment, ils vont voir la déesse de la fortune elle-même, et là, elle leur prépare des préparations vraiment très, très recherchées, tout ça et tout. Et voilà, enfin, ça se termine comme ça, en fait. Mais c'est très, très beau aussi. Enfin, voilà, 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 voilà. Il me semble que je me rappelle quelque chose comme ça où elle. Je vais mettre de la lumière. Il me semble. À cette occasion, Annapurna, je crois qu'elle a pris après elle a pris la forme d'Annapurna Devi, celle qui donne la nourriture, et elle a commencé à développer un sentiment maternel, et là elle a produit une quantité de nourriture illimitée en disant que tous les êtres de l'univers aurait toujours à manger, quelque chose comme ça. Tu connaissais cette histoire, en fait, oui. Oui, il y a quelque chose un autre passage de cette histoire qui me revient à l'esprit. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, pour en venir à cette fête de Lakshmi, c'est quoi sa spécificité, en fait, exactement? Il y a quelque chose... Eh ben, c'est juste un divertissement. Krishna va à Vrindavan et la déesse de la fortune, donc qui représente Rukmini, elle est, comme le disait le texte du Chaitanya Charitamrita là que je commentais, une femme amoureuse qui est délaissée, c'est naturel qu'elle se sente jalouse et des fois qu'elle se mette en colère. Donc Krishna lui dit, oh ma chère épouse, ma chère Lakshmi, je vais juste à Gundicha sur mon chariot et je reviens demain. Et un jour passe, deux jours passent, trois jours passent, quatre jours passent. Le cinquième jour, elle n'en peut plus. Elle dit, bon, il m'a berné, il m'a entourloupé. Et donc, elle se met en colère. Elle est jalouse, comme une femme délaissée. Et elle ordonne à ses servantes de l'amener jusqu'à Gundicha pour ramener son mari. Et comme elle est en colère, elle la manifeste à travers ses servantes qui arrêtent les serviteurs de Jagannath. C'est juste un... C'est la colère de Lakshmi, en fait. Oui, d'accord. C'est un divertissement de Lakshmi et ça pimente la relation. D'accord. Parce que rasa, pour qu'il y ait du rasa, il faut qu'il y ait quelque chose d'adbhuta, d'étonnant. D'accord. Non, si c'est la routine, il n'y a pas de rasa. Donc, d'accord, pour qu'il y ait rasa, il faut que toutes sortes de péripéties... toutes plus étonnantes les unes que les autres. Rasa, c'est produit quand on est chamatkar. Chamatkar, ça veut dire on est waouh, comme stupéfait. Un truc waouh. Ça produit. Dans les divertissements, ça produit rasa. D'accord. Donc on voit que les divertissements de Krishna, c'est toujours des trucs inédits, complètement inattendus, des péripéties, des rebondissements, et ça produit le rasa. D'accord, d'accord, d'accord. Okay. Merci Maharaj. Hare Krishna, j'aurais une question. J'ai vu une photo sur internet où il y a le Seigneur Jagannath qui donne un rasgoula ou plusieurs rasgoulas à la déesse de la fortune, et puis Baladev et puis Souvedra qui sont derrière. Je voudrais savoir si vous pouviez nous en parler. Je ne connais pas, je n'ai jamais vu ça. D'accord, ok. Parce que c'est. Je ne connais pas ce divertissement. D'accord. D'accord, ok. Je vais essayer de me renseigner, c'est pour ça. C'est marrant. Ce que tu as vu, c'est ça, en ça que ça consiste, le divertissement. C'est Jagannath qui offre du prachad à Lakshmi, peut-être pour l'apaiser, je ne sais pas.
C'est à la fin quand comment elle fait pour être apaisée, la déesse de la fortune? Les serviteurs, si tu as bien, tu n'as pas écouté, mais j'ai bien dit, les serviteurs de Jagannath lui promettent que demain même, ils ramènent Jagannath. D'accord. Donc ça la calme, ça l'apaise et elle rentre. Mais en fait, ils ne rentrent pas le lendemain, ils rentrent encore plusieurs jours, parce que je crois qu'ils restent pendant 9 jours, je pense, à Gaudicha. Voilà. Mais finalement, il s'est montré à elle. Ah oui, Jagannath. Non, non, Jagannath ne se montre pas. C'est ses serviteurs. Ah, Jagannath est d'accord. dans le temple, Alors, d'accord. la déesse n'est pas rentrée dans le temple. Elle est venue jusqu'à la porte du temple et là, elle a commencé à invectiver les. Enfin, ses servantes ont commencé à châtier les serviteurs de Jagannath. Et ça, ce que vous avez dit, c'est pendant 5 jours, c'est ça, Gera Non, Panchami? ça, c'est le 5e jour. D'accord. Erapanchami, ça veut dire le 5e jour du Ratayatra. D'accord. Krishna et Jagannath est parti sur son chariot. Il a dit qu'il rentrait le lendemain. Et 5 jours après, il n'est toujours pas parti. Il n'est toujours pas revenu. Donc la déesse, ce jour-là, en palanquin, très opulent, entourée de servantes et de danseuses et de D'accord. musiciens, elle va jusqu'au temple de Gundicha. Et là, à la porte, ses servantes arrêtent les serviteurs de Jagannath. D'accord. Elle est apaisée quand ils lui disent Ok, on promet qu'on vous ramène votre époux demain. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Jagannath Swami Nayana Pategami Nayana Pategami Bhava Tume. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jayo Baladeva, Jayo Subhadra, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jayo Baladeva, Jai Subhadra, Nilachala Chandra Amar Prabhu Jagannath, Jayo Jagannath, Jayo Jagannath, Nilachala Chandra Amar Prabhu Jagannath. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Prabhu Jagannath, Prabhu Jagannath, Jayo Balade, Jaya Subhadra, Prabhu Jagannath, Prabhu Jagannath, Jayo Jagannath, Jayo Jagannath, Prabhu Jagannath, Prabhu Jagannath. Jayo Balade, Jaya Subhadra, Prabhu Jagannath, Prabhu Jagannath, Amar Prabhu Jagannath, Prabhu Jagannath, Amar Prabhu Jagannath, Jayo Jagannath. Ujvala Hari, Amar Nayana Pata, Ujvala Hari. Amar Nayana Pata, Ujvala Hari, Amar Nayana Pata, Ujvala Hari, Amar Nayana Pata, Ujvala Hari, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari, Ujvala Hari, Hari Bol. Chandra Amar Prabhu Jagannath, Jayo Jagannath, Jayo Jagannath, Mayapur Chandra Amar Prabhu Jagannath, Jayo Jagannath, Jayo Jagannath, Vrindavan Chandra Amar Prabhu Jagannath, Jayo Jagannath, Jayo Jagannath, Vrindavan Chandra Amar Prabhu Jagannath, Jayo Jagannath. Jagannath Swami Nayana Pategami Nayana Pategami Bhavatume Jagannath Swami Nayana Pategami Nayana Pategami Bhavatume Ujvala Hari Amar Nayana Pata Ujvala Hari Amar Nayana Pata Ujvala Hari Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol
Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Rama Rama Hare Hare Yashoda Nandana Krishna 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 Hare Hare Yashoda Nandana Krishna 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 Hare Hare Radhika Ramana Rama 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 Hare Hare Radhika Ramana Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Bol Hare Bol Hare Bol Gora Hare Bol Jita Gora Hare Bol Hare Bol Hare Bol Jita Gora Hare Bol Jita Go Premanande Jai Jai Shri Radhe Shri Goranga Mahaprabhu Ki Jai Jagannath Bhadeshwara Ki Jai Lakshmi Devi Ki Jai Shri Prabhupada Ki Jai Go Premanande